salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur South Park, l'anal du destin. Nous en sommes à l'épisode 9. Écarte-toi, acolyte. Je vais invoquer la fureur du gamète. Et même ma fureur du diabète n'arrive pas sous les panneaux. Putain, j'en peux plus. Il me faut mon insuline. Bon, il me faut mon... Oh non, mon Dieu, je suis à court d'insuline. Il faut que tu m'aides, c'est plus une pomme, mais je n'ai plus d'insuline. Je vais faire un somme diabétique. Je meurs. Oh mon Dieu. Maman, maman, je meurs, pitié. S'il vous plaît. Et il n'est pas mort, rassurez-vous. Enfin, normalement, il n'est pas mort, du moins, j'espère pour lui. Nous sommes donc avec Captain Diabète qui a tenté quelque chose et qui, cette fois-ci, en a pris plein la gueule. Peut-être qu'un petit peu. Ça se passe comment de l'autre côté, les gars? Tout va bien pour vous? Super. Tenez-moi au jus. Ça se passe que c'est terrible. Des pétards, ça le réveille pas. Lui non plus. Tu sais ce qui rend mes paix aussi pourries? Le Tex-Mex fait maison. D'accord. Merci Morgan Freeman, ça fait plaisir. Le Tex-Mex fait maison. Je dois donc, je suppose, faire du Tex-Mex. Arrêtez-moi si je me trompe. On ne peut pas. Mais lève-toi. Et pas n'importe quel Tex-Mex maison. Il faut que ce soit très spécial. Spécial, spécial. Dis-moi tout, Morgan Freeman. Tu sais ce qu'il te reste à faire, le nouveau. Ok. On va y arriver, on va y arriver. Ah, appuie sur A pour manger l'Unchirito. Oh là là. Ah là, je vais réveiller la terre entière. Ok. Attends, maintiens les deux enfoncés. Comment ça? Maintiens LT et RT. Ça y est. Dirigé vers la gauche. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, j'ai remonté le temps! Je suis vivant! Qu'est-ce qui s'est passé? Qui êtes-vous? Ah! Attends un peu! Il s'est passé quoi, là? Je croyais être mort du diabète. J'ai le souvenir d'une lumière blanche, la main de Dieu tendue vers moi. Et puis quelqu'un m'a pété dans la gueule et c'est revenu! J'en ai encore l'odeur plein le nez! Déblocage du P. D'accord, on revient en arrière, mais ils se souviennent de ce qui s'est passé quand même. Les P peuvent même déplacer des objets dans le temps. Impressionnant. Maintenant, retournons voir cette stripteaseuse. Les mecs, on a localisé la meuf, mais elle s'est cloîtrée dans le restaurant italien. Il nous faut du renfort. Vous avez entendu, les mecs, rendez-vous tous au bouquin de Facultini. Ok, on peut y aller, les gars. Bon, bah, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal du tout. Et alors, je lui ai dit, tu sais, c'est quoi ton problème? T'es un alcoolo. J'ai pas fait ça. Si, j'y ai dit, tu peux même pas passer une journée sans scotch, poivre. Ok, on est parti, on je continue. Je pige pas comment ces types peuvent se mettre une mine tous les soirs et trouver ça normal. Ah, ne m'en parle pas. Désolé, mais quand tu te colles le cul d'un chat sur la gueule, c'est forcément que t'es pas épanoui dans ton mariage. Oui, je pense qu'un paquet de ces toxicos le font parce qu'ils sont frustrés dans leur couple. Ils shootent sûrement parce qu'ils se sentent coincés avec leur femme quelque part. Ça doit être horrible. Ok. Quelqu'un veut connaître le menu du... Mais voilà! Où est la fille? C'est bon, j'ai les frérots. Elle était là! Vous l'avez pas vue entrer? Non, on était en train de synchroniser nos montres. Non, on regardait la carte, parce que Cartman nous a dit de commander à bouffer. Combattre le crime le ventre vide, c'est super dangereux en me cerf-volant. Je dis ça pour ton bien. Ouais, c'est ça. Elle a pas pu sortir. On l'aurait vu passer par devant. Eh ben, peut-être qu'elle est dans l'arrière-salle. Ok, allez voir, les mecs. Appelez si vous avez besoin d'aide. Nous, on attend les graissins. Avis de combat débloqué, le Kun. Oh, on va jouer pour la première fois avec le Kun, ça serait excellent. Qu'est-ce que c'est? Captain Diabète. Le Kun et l'homme cerf-volant, très bien. Très bien, on a une bonne équipe là. Quoique j'aime bien le moustique qui récupère sa vie. Le moustique est pas mal du tout. J'essaye de voir s'il n'y a pas du... comment on appelle ça? Oh, regardez. J'essaye de voir s'il n'y a pas des tableaux, si vous voyez ce que je veux dire. Yaoi. Et non. Non, il n'y a pas... Qu'est-ce que c'est que c'est? Ça fait un truc comme un paix, quelque chose comme ça. Ok, on est parti, on se casse. Ah bah, il est Keblo.
Captain Diabète, il est totalement bloqué. Ah d'accord, en fait c'est la TP. Allez, faut aller servir toutes ces pâtes et ces boulettes aux clients. C'était pour l'air dangereux, acolyte. Ah, les cuisiniers. Michel Co. Aïe. Mais mon pain, il est passé où? Bah, les cuistots, c'est parti, les gars. Oh, bah oui, on est 4, ça va. 4v4. On est à égalité. Michel. C'est le coup de le prochain à jouer. J'ai hâte de voir ce qu'on peut faire. Je vais te transformer en brachiola qui donnera l'eau à la bouche. Ok, le Kun, qu'est-ce qu'il a? Il a ça qui ne fait rien. Par contre, il a ça, c'est pas mal du tout. Je t'ai coulé. Ça, c'est pas mal, ça. Je suis sûr que je peux te tasser en entier dans une marmite, petite merde. Je vais vous arroser de sperme et de molars, petites enflures. D'accord, le pet temporel de Bug peut servir à annuler le tour de l'ennemi. Maintien L et R pour afficher les commandes temporelles de paix. Déforme le temps pour annuler le tour d'un ennemi. Votre tour est maintenant la propriété du... Je vais vous gaver au maïs et prélever votre foie gras. Ça attendrait les chairs. Ça serait trop cheaté si je veux le faire tout le temps, en fait. Allez, acolyte, écrase-le. Ok. De toute façon, on va faire ça. J'ai pas trop le choix pour l'instant. Je vois que ça. Et encore, ça fait que 3 cases, ça touchera pas. Je ne peux rien faire pour le moment. Et ça. Yes, je peux faire que sur lui. On va le faire. Au moins, ça touche un petit peu. Voilà, on l'a ramené à la maison. Ok, je le connais, t'as du potentiel. Je vais vous snacker sous une brique. Alors, lui, c'est aussi la première fois. Ah, mais non, monsieur Capitaine Diabète, mais qu'est-ce que je raconte? Totalement dingue, celui-là. On peut faire ça? Ça me paraît pas mal, vous en pensez quoi? Ça me paraît pas mal. On va faire ça, ralentissement, plus protection, c'est plutôt worse. Ça va chauffer dans cette cuisine. Alors toi, on va faire ça. Ça me paraît cool, 63, c'est pas négligeable. Ah oui, d'accord, 280 000 cuistots. Et il est médic, ça va être terrible. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, il peut en soigner un et se soigner lui. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible, par contre, si je lui mets ça. Ok, saignement. Ok, saignement, c'est pas mal. De toute façon, il va m'attaquer moi, c'était logique. Je vais faire de toi une belle parmigiana. Je vais enfreindre votre code d'hygiène. Ah, je peux encore, ok. Ça, c'est une spatule pour gaucher. Je peux encore, les gars. Merde, je peux encore utiliser mon pouvoir, je crois. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, on attire encore. Ouf. Il a pris un coup de repoussement. On peut sûrement stocker vos corps. Dans un tour, je vais pouvoir annuler un tour. Bouge pas. Voilà. Oh là là, les dégâts d'enculé qu'il met. Ok. Désolé de gâcher la fête de la pizza. Alors toi, par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire... Oh putain, on peut pas faire grand-chose. Si, on peut faire ça. Ok, et ça me redonne un bouclier en plus. Le pouvoir des diabètes. Bon, là, c'est compliqué, les gars, là. Je peux faire ça. Je vais te désosser. Tu vas bientôt devenir une simple tâche sur mon tablier. C'est pas vrai, ils font que de se soigner, putain. Faut que je tue le healer de toute façon, j'ai pas le choix. Regarde le coup à l'œuf, le nouveau. Les autres, essayez de pas crever. Ah, c'est, je sais pas. Vous voulez qu'on voit Allez, il est temps de voir son ulti, Okun. Ah, je m'attendais à mieux, mais ça met saignement. Okay. Je compte sur toi, partenaire. Oh là là. Bon, clairement, ça commence à me gonfler, ce truc-là. Je vais me caler ici. Je vais me caler totalement ici. Parce que de toute façon, je peux rien faire. Fin de tour. Non, c'est bon. À mon tour. Ok, il a saignement. Ça me paraît pas mal, ça. Comme ça, je me mets entre les deux. T'es bon pour faire la plonge le reste de ta vie. Ça me paraît pas mal. Et je peux faire ça maintenant. Avec repoussement. Ah non, il y a plus de repoussement. Difficile de rater quand on vise avec. Ok, c'est bon, j'ai arrêté le temps. On va lâcher un paix incroyable. J'ai annulé son tour. On va me faire le coup du gigot. J'ai annulé totalement son tour.
Non, par contre ça. Et ça, ça donne quoi ça? Allez, y a rien de mieux que ça. Et ça garde saignement. Va falloir que je tue impérativement le mec en bas. Sinon c'est terrible. Allez, c'est terminé pour lui. On va l'attirer, il a plus qu'un HP. On ne fait pas, Atronduc. Un autre ennemi succombe à la puissance. C'est bon. De sa bande. Bon, il n'y a plus que lui. Normalement, on est propre. Recommence et je t'aplatis comme la bien. La piadine. Ressens la colère de l'homme cerf-volant. Oh là là, on est large, hein. On est gras. Continue on à est très bon très gras là. Cerf-volant. Je te renvoie chez ta maman dans un doggy ah. bag. Il va tuer le coon. Mort ? Déjà ? Allez tous vous faire foutre. Ok, voyons ce que tu sais faire le nouveau. Ok. Bah rien, rien, je peux rien faire encore une fois. L'heure de diabète a sonné. Allez, c'est terminé pour lui. Bye bye les gars. Allez, tu rejoins autour le coon. Des vrais super-héros. Et c'est une victoire, tu as gagné. C'était pas évident, ça devient de plus en plus compliqué. Mais c'est plutôt cool. On s'en sort en plus très très bien. Ok, utilise 15 paix temporelles, courbeur de paix. On va y arriver à les faire. Les chevaliers des Glucides n'ont rien pu faire contre le Koon et sa bande. Pas vrai, acolyte? Classien a dû partir par là. Mais le chemin est barricadé. Je pourrais soulever ça facilement. Mais je peux pas prendre de jus de pomme sans insuline pour me faire redétendre. Ok, on va déjà fouiller tout ça. Je peux plus revenir en arrière. On pourrait peut-être déclencher ma fureur du diabète. Non, 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 c'est pas bon. Fais pas ça, fais pas ça. Gros. Bien sûr, avec ma super force, je pourrais la renverser. Attends, ça y est? Tes paix, acolytes! Tes paix abominables sont capables de me mettre en rase! Bien sûr! Le Koon n'essayait pas de me déstabiliser en me disant que c'était l'épée de ma mère qui m'avait donné le diabète! Il voulait m'aider à libérer mes pouvoirs! On va passer par là, retrouver Classy, acolyte! Pour le bien de South Park! Pour le Koon et sa bande! Il faut que tu me pètes sous le nez! Allez, on va lui mettre ce qu'il mérite! C'est cadeau! Ça m'amuse pas! Ah, je me suis gouré! C'est pas le je me suis trop pressé, les gars. Autant pour moi. Correspondance trouvée. D'accord. Quand tu veux. Ah ! Ça a marché ! Ah, c'est dégueulasse ! On a réussi ! La voie est libre ! J'ai du mal à me laisser aller. Mais si on se retrouve de nouveau dans une situation délicate, acolyte, sache que tu peux me péter au visage. La fureur du diable, ça c'est fait. Bon, il est temps de s'habiller les amis. Alors bougez pas, on va aller dans la création. On va aller dans les costumes. Là, j'ai largement de quoi faire. J'ai fait la capuche incroyable. Je vais faire le casque. Voilà. On peut faire des gants aussi. On peut faire plein de tenues. On va prendre ça. On va s'habiller comme ça. On va faire Fatalis. On est pas mal. Tenue incroyable, le Trouduc. C'est pas mal. C'est la tenue officielle du Trouduc. Oh merde, je l'avais déjà. Oh, je crois que je l'avais déjà. On est pas mal, on est pas mal. Il est temps maintenant de changer sa tenue. Alors, tête, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Je peux m'habiller en super Trouduc. Non, c'était ça. Je pense pas que la tête... ça... Ok, on est pas mal. Hein. Je pense qu'on est pas mal. Et pilosité, non. Maquillage accentué. Fallait qu'on retire. On est très très bien, les gars. On peut y aller. Je suis habillé. Qu'est-ce que c'est? Merde alors! Qu'est-ce que c'est que ça? Bon sang! Il faut prévenir les autres! Koon! Ouais, capitaine Diabète! On a trouvé des seins perdus! Une pièce pleine! Pas possible, ça quelqu'un est parmi eux! Négatif. Il n'y en a pas de gros et vieux. Bah, et la meuf? On la cherche toujours. Il faut découvrir ce qu'elle sait. Au boulot. D'accord. On est si près que je peux le sentir. Allez, acolyte. Ça, c'est illégal, ça, hein, ce qui se passe. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est pas mal, ça, ce que j'ai fait. C'est pas mal du tout. Attends, ça sert à rien, ça, en fait. Hop, j'ai tout envoyé. Hein. J'ai envoyé des paix.
toute chose possédant un effet statique peut être initialisée dans son état intérieur. D'accord. Très bien. Je peux y aller, mais alors attends, ça servait à quoi ça en fait? Ok, c'est très bizarre. Alors acheter, qu'est-ce qu'on peut acheter? Y a pas la tenue du prochain épisode, non? On peut y aller. Attends, acolyte, des ennuis pourraient nous attendre derrière cette porte. Y a quelqu'un là-dedans? Prêt? 1, 2, diabète! Tu vois, je t'avais dit que j'étais suivi par les flics. Et tu les as amenés ici, pauvre débile? Ah, c'est qui que tu traites de débile? J'ai l'air d'être ta mère? La fête est terminée, Classy! Ces mômes, c'est des flics? C'est pas un flic, c'est Capitaine Diabète! Sa mère a pété lors de l'accouchement et il a attrapé le diabète qu'il utilise désormais pour combattre le crime! C'est pas comme ça qu'on attrape le diabète! Si ce sont pas des flics, on peut leur tirer dessus! Et sur cette conne! Ah, merde! Vous vous retournez contre moi? Je savais que j'aurais pas dû me mettre en affaire avec des mecs qui ressemblent à Tony Soprano! Au revoir, Capitaine Diabète. On va voir si ton diabète peut te sauver. Oh oh. Ah, qu'est-ce que... Je veux mes clés! Je les ai pas tes clés, mec. Il s'est défoncé au vin rouge. Les bitures au vin rouge, c'est les pires. Foutons le camp d'ici. Ok, Capitaine Diabète. Fini la plaisanterie. Donne-moi... les putains de clés. Vous n'êtes pas en état de conduire. Alors, meurs. Et on est parti. Red Wine Drunk Randy. Donc, les gars, on va le réaffronter. Vous n'êtes et... pas raisonnable, monsieur Marthe. Je vais appeler votre femme. Je pense qu'il va nous mettre qu'on mérite. Là, il a pas une tueur. Je remonte déjà le temps parce que sinon... C'est pas juste. T'as pas le droit d'utiliser ton cul pour accélérer le temps et piquer le tour des gens. Je le sens bien ce coup-là, les mecs. Ok. Alors, comment je peux faire? Comment je peux faire, mis à part ça et ça? Ça va piquer un peu. Il est méga fort, hein. Il est méga fort. Il one-shotterait n'importe qui. Je sens pas la douleur. Ok, c'est pas mal, je l'ai avancé. Il va souffrir. Je peux faire quoi? Je peux faire ça, par exemple? Non mais attendez, attendez, mais c'est un boss phénoménal. Il a 380 oh, tout faible et tout. De vie, un truc comme ça. Ouais. Ok, c'est pas mal, on l'a reculé là-haut. Esquive, bordel. Je sais pas ce qu'il va pouvoir me faire. Allez, ça me paraît pas mal. Là, je pense qu'il va en one-shot. Ça a dû faire mal, ça. Merde, merde, une seconde, Sharon m'envoie un texto. Je peux pas taper. Bordel, pourquoi je peux pas taper? Pourquoi j'ai des pouces énormes? Hé, hey, Siri, prends une putain de note. Dis à ma femme d'aller se faire foutre. Je suis en train de me battre. Émoji de merde. Ok. On est en train de voir, je sais pas ce qu'il va faire. Oh la vache. Il a complètement okay, perdu va. La tête. Ça va les gars, il me one-shot pas. Attends, il va attaquer combien de fois? Il bouge carrément son tour là en fait. Fais saigner ces petits fumiers, trésor. Ça c'est pas mal. Pas trop le choix de toute façon, je peux faire que ça. Ok, et ça le décale. Très bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, je peux lui faire un repoussement. Ça serait mieux de le mettre limite en feu. Mais qu'est-ce que Capitaine Diabète peut faire? Non, 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 il faut que je lui fasse un repoussement. Parce que sinon, Capitaine Diabète pourra pas l'attaquer. Et ça risque d'être assez terrible. On dirait que j'ai pas parié sur le bon cheval. Ok. Ça, c'est pas mal. On l'a bloqué sur le côté. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Attends, 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 attends. Ah ouais, mais il y a la table qui bloque. Il y a la table qui bloque totalement. C'est bon. Par contre, ça, c'est pas mal, un petit bouclier. 62. Ça peut me protéger d'un tour. Oh bordel, elle a pas l'air contente. Lequel d'entre vous a dit à Sharon que j'étais ici? Une minute. Je rentre bientôt. Je cherche
Et putain de clé. Cœur, cœur, XO, envoyé. Mes clés. Il a récupéré celle de quoi? Classique, aime bien. C'est pas mal, c'est pas mal, j'ai récupéré un peu de vie. Il one shot totalement. Je crois qu'on a sous-estimé les pouvoirs du vin rouge. c'était chaud mais on est large. C'était chaud mais on est clairement large, je pense que c'est win sans aucun problème. Un point c'est tout. Est-ce que par précaution. Allez, on l'achève et on va voir. Je me soignerai peut-être, j'aurai peut-être besoin de me soigner après. Je suis content que vous ayez été là pour regarder. Est-ce qu'il est KO? D'accord, je vais prendre un taxi. Hé, hey, quand Capitaine Diabète est là, on conduit pas quand on a vu. C'est bon, tu as gagné, victoire. Est-ce que la stripteaseuse prend la suite? Je ne sais pas. Ça fait pas mal d'XP. Hein. On avance très très bien, les gars, ces deux derniers épisodes. Hein. D'accord, merde. Bon, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un nouveau caïd qui essaie d'écouler de la super cam. Ce type est en train d'essayer d'unir les familles italiennes et chinoises ensemble, bordel. On s'en fout de ça. Où est Sacripant? Sacripant? On a besoin de cette récompense pour notre franchise de super-héros. Oh merde, vous voulez juste un chat? Bon, donc il y a ce Cisco. À moins que rien qu'à commencer à travailler il y a 2 mois, qui se vantait de faire du fric grâce au crime en ville parce qu'un gros bonnet de blanc a la main mise sur toutes les drogues, toutes les catins et tout le reste. Ok? Bon. Eh, mais pas moi. Moi, je me gère toute seule. Ce que je veux dire, c'est que je possède un seul bien, c'est ma chatte, et que je l'hypothèquerai pas pour les poches pleines d'un enfoiré qui se vante de faire du fric grâce au crime et toutes ces conneries. Classique, désolé, mais... Et les chats? Ah, ces chats-là? Ouais, bah, il y a un taré d'Asiat du nom de Yakiababa ou un truc comme ça qui paie les sixièmes pour kidnapper les chats. Sérieux, je trouve ça trop naze d'enlever les minous. Moi, je garde le mien, merci. Je veux dire, c'est criminel, quoi. Ils vont où, ces chats? Ce que je peux dire. Mais j'irai rien avant d'être sûr d'être hors de danger, ok? Ces types rigolent pas. Et je veux être sûr que vous allez me protéger. Eric Cartman, as-tu une idée de l'heure qu'il est? Tu as école demain? Non, pas maintenant, on est sur du sérieux, là! Les enfants, rentrez chez vous maintenant, ou j'appelle vos parents. Désolé, Madame Cartman. Désolé. Et c'est qui, la stripteaseuse? Le Coon et sa bande m'ont offert leur protection. Eh bien, elle ne reste pas ici. Bien, Quickie, emmène-la chez toi, d'accord? Et voilà le programme d'info pour bien commencer la journée. Bonjour, South Park! Bonjour, South Park. Un nouveau justicier a fait une apparition remarquée hier soir en se débarrassant apparemment seul de la famille mafieuse des Famboni. Pour nous en parler, voici un nain en bikini. Oui, Tom, je me tiens devant le bouquin des Fagoncini où le justicier a déclaré la guerre au crime à South Park. La vidéo d'une caméra de sécurité montre une jeune personne pétant vers la figure et les couilles de certains individus. Le gamin est entré et s'est mis à péter sur les gens. C'est arrivé si vite, putain. Peut-être que quelqu'un a enfin décidé de redresser le cap de cette ville. Cet enfant est un héros. Selon moi, ce môme est une menace. Combien de temps faudra-t-il avant qu'un innocent soit tué? Combien avant que Daredevil devienne le Punisher? Hein? 3 saisons? 3 saisons. Sur les lieux, la police a trouvé une mine de produits illégaux qui relierait le restaurant italien à un syndicat du crime de plus grande envergure. Il se pourrait que ce ne soit que la partie émergée de l'iceberg. C'est à glacer le sang. Et certains témoins rapportent également la présence d'un acolyte. Effectivement, certaines rumeurs font mention d'un acolyte, Tom, mais l'enquête a démontré qu'il ne s'agissait que d'un pédzouille atteint de diabète. Merci, le nain. Et bien sûr, la question qui brûle toutes les lèvres est désormais, qui est ce justicier péteur? On va encore passer pour des buses. Vous avez merdé. C'était pas notre faute. Ce gamin est entré dans le restaurant et s'est mis à péter comme un cinglé. Les Italiens, vous transportez le matos. Les Chinois et les Russes s'occupent du reste. Il faut rester discret, sinon les gens vont découvrir la vérité. Apprendre qu'on glisse le produit dans la cam et l'alcool pour faire monter la criminalité. Continuez à faire votre boulot en distribuant le pizza dans les rues. Ou je traiterai directement avec les Russes. Ou les Chinois. Ou les sixièmes.
vache, comment j'ai trop bien dormi. Ça faisait des semaines que j'avais pas aussi bien dormi. Alors les gars, vous avez fait quoi de beau hier soir? Bon, bah rien, comme d'hab. On a maté la télé, on est allé se coucher. Ouais, rien de passionnant dans nos petites vies monotones. Bon bah alors, on se voit demain, hein. Tu as une grosse journée qui t'attend, le nouveau. Va passer ton costume de super-héros et attends un message du Coon. Ça fait du bien de revoir Cartman comme ça. Alors, on va se changer, évidemment, super-héros. Un jour à South Park. On n'a fait qu'un jour, finalement. Comment t'as fait ça? C'est débile. C'est vrai que c'est débile. C'est vrai que c'est totalement débile. Allez, on est donc parti. Je dois attendre un message du Coon. Il est temps de tirer les verres du nez à Classy. Tout bon super-héros doit savoir mener un interrogatoire. Va chez Jimmy et découvre ce qu'elle sait. Coon, terminé. Ok, direction chez Jimmy, donc. Va dans la chambre de Jimmy. Alors attends, attends, parce que je pense que on peut aller rapidement dans sa chambre. Bah d'ailleurs, il est là. Je suis le plus rapide de la ville. Ok, tu habites ici. Montre-moi où tu habites et je te dirai qui tu es. On va se taper ici, ça me paraît pas mal. A plus, le nouveau. D'accord. J'ai totalement vomi et entièrement gratuitement. On est parti chez Jimmy, les gars. Jimmy, il est où? Là, on va faire quasi que les quêtes principales. Regardez-moi ça. Il y en a de la place sur ton smartphone. J'ai pas déjà fait avec lui. Je me demande si j'ai pas déjà fait avec lui. Ouais. J'ai déjà fait un putain de selfie. Donc, pas intéressant. Désolé. Mais on bouge. Chez Jimmy, c'est où? C'est ici. Hein. Non, même pas. C'est ici, mais il y a de la lave. Pourquoi? C'est très intéressant. On va aller dans sa chambre. Oh, c'est encore toi, le super-héros. Me pète pas à la gueule, d'accord? Hé, Quickie, il y a un de tes super potes qui est là. Oh, salut, nouveau. Coon m'a dit qu'il voulait que tu interroges le témoin. Alors vas-y, je t'en prie. Vas-y, le nouveau, demande-lui ce que tu veux. Oh, très malin. Jouer le silence, ça peut vraiment mettre le témoin à mal à l'aise. Bon, ok. Je sais que vous avez besoin de mon aide. Mais je dirai rien avant d'avoir mes médocs. T'as les médocs? Yeah! J'arrive pas à réfléchir sans mes médocs. Alors vous allez aller me les chercher, d'accord? Tant que j'aurai pas mes médocs, je vous dirai rien du tout, les petits héros. Bon, d'accord. On dirait que t'as encore du boulot, le nouveau. Mais avant que tu repartes, je voudrais te montrer quelque chose qui pourrait t'aider à lutter contre le crime. Viens, on va dans ma chambre. Bon, nouveau, il est temps de faire passer tes super pouvoirs au niveau supérieur. Vas-y, mets-toi dans le fibulateur ADN. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette connerie? D'accord, nouveau, bouge pas, je vais te dire comment faire. Force mutante ADN, précision inhumaine et summum de la douleur. Regarde le nouvel emplacement d'ADN de héros que je t'ai ouvert. Ce que tu émettras aura un gros impact sur ta sur ton efficacité au combat. D'accord. Choisis ce qui convient le mieux à ton arsenal de pouvoir. Mais un gros boost de dégâts peut réduire la santé et vice versa. De même que trop de stéroïdes, ça réduit les testicules. D'accord, je choisis ce que j'augmente. Alors, soit j'augmente les muscles et je perds rien. Soit j'augmente la cervelle de 30%, mais je perds 15% de santé. Ok. Bah, ça c'est mon ulti. D'accord. 15% de santé. Mais ça augmente de 30% les dégâts. Ça me paraît pas mal du tout, ça. Hein. Allez, on va prendre ça. Maintenant, tu sais à quoi ressemble un vrai pouvoir. C'est très bien. Ça devrait le faire, nouveau. T'as l'air d'avoir compris. Maintenant, casse-toi et frappe fort! Ok. Déjà, on va te fouiller. Pénétrer dans le fibulateur, c'est fait. Y'a rien d'autre à fouiller, c'est terminé? C'est terminé, les gars! Arme-toi de pouvoir avant de quitter le domicile de Jimmy. Claque fort, comment ça? Je me l'envoie dans la gueule? Oh! Allez, on est parti. On est parti. Hop, on est bon. Ouh là là, 4 niveaux. Là, ça va être hard, les gars. Ah non, attends. Hop. D'accord, c'est bon. Donc, je commence à comprendre. D'accord,
C'est juste d'accord. Ok, c'est pas mal là. Excellent. Va falloir impérativement remettre les gaz. Oh, ça va être serré, hein. Ça va être serré. Ok. On remonte encore. C'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Excellent. Oh là là, c'est horrible. Oh, c'est dégueulasse. Bon, celui-là était assez compliqué, hein. Ok, on va tenir. Attendez, bougez pas. Bon, bougez pas. Hop, c'est totalement bugué. Ok. Je sais pas ce qu'il doit y avoir dedans, mais s'il faut bouger. Des étoiles, costume. Oh, je peux mettre des étoiles sur le côté. Ça, c'est propre. Bon, je confirme, on n'avait jamais fouillé par ici, les gars. Chez Jimmy, au moins, maintenant, c'est fait. Tu me grattes le dos. Je te gratte le dos. Pigé. Ok, on va tout fouiller. Antidote. C'est merveilleux que Jimmy ait des amis célèbres. Il faut que je prenne une photo avec l'ami célèbre de mon fils. Youpi! Allez, Mademoiselle Valmer, c'est fait. Merci. Salut Jimmy quand tu le verras. Il y a le père. Allons-y. Merci d'avoir aidé Jimmy. Je l'aide pas vraiment, mais bon. Youpi! Monsieur Valmer, forcément. Ça, c'est T'as fait. Beau travail. Tes parents doivent être si fiers. Allez, on bouge. On s'en va, les gars. Un petit mot pour souhaiter la bienvenue dans le quartier. Au nouvel ami de mon fils. Je pense qu'on peut partir. Je pense qu'on peut partir. On a fait le boulot. Ok. Rends-toi au poulet frit médical. Emprunte la ruelle. Oh, c'est terrible. Emprunte la ruelle et rends-toi au poulet frit médical. D'accord. Faut que j'emprunte quelle ruelle? Très intéressant tout cela. Je pense qu'il faut passer par en haut et on va s'arrêter là dans pas longtemps. Ici, homme cerf-volant. Tu sais, le petit problème que tu m'as aidé à régler. Eh ben, il est revenu. Tu peux venir chez moi vite fait, s'il te plaît? Il avait un souci. Il me faut 140 de puissance de préférence. Il avait un souci. Et vous savez quoi? On va le choc. 140, les deux inférieurs à la puissance recommandée. Ouh, il va falloir que j'augmente ma puissance très rapidement, les gars. On va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao.